Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui valide la rupture haussière ici de résistance oblique qui définissait la précédente tendance baissière puisqu'après avoir été cassée à la hausse, cette zone ici est redevenue support avant ici d'inscrire un nouveau plus haut significatif et de revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme support elle aussi. Donc on est ici dans une perspective plutôt haussière, même si les cours ont réintégré des niveaux inférieurs au 1.1033, la dynamique est plutôt bien orientée. Et si on validait ici cette rupture haussière, donc des 1.1033, le prochain objectif serait un possible retour sur la zone des 1.1110. Et puis sur le câble, suite à la forte hausse qu'a connue la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est revenu ici consolider. La consolidation est intéressante puisque nous avions ici cette zone de résistance majeure qui se situe à 1.2560. Cette zone ici nous permettait en cas de rupture haussière de valider un retournement de la dynamique sur laquelle je vais revenir. Cette zone tout simplement après franchissement, elle agit comme zone de support. Donc c'est assez intéressant puisque ça va dans le sens de la poursuite ici de ce mouvement haussier. Et quand je vous parlais de niveau de retournement majeur, nous avons tout simplement ici depuis le test sur cette zone des 1.20, un point haut significatif, un point bas qui est ici, qui est donc supérieur au précédent, et donc un nouveau plus haut significatif. Donc on est en train ici de valider le retournement de tendance comme une nouvelle tendance haussière, et tant que cette zone ici des 1.2560, donc ancienne résistance qui devient support, restera support de cette dynamique, on validera cette configuration technique et donc de début de tendance haussière potentielle sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et puis sur l'or, nous sommes toujours sur une perspective de mise en place d'une dynamique baissière depuis que l'or ici a connu une rupture de cette zone de support qui a fait sortir le métal jaune d'une dynamique haussière dans laquelle il évoluait depuis quelques semaines, voire quelques mois. Suite à cette cassure, nous avons eu tout simplement un retour sur cette zone ici qui agit désormais comme résistance. Et donc on commence ici à attaquer de manière un peu plus agressive cette zone des 1484 $ l'once. Donc on peut le voir d'un point de vue court terme. Les cours évoluent ici sur des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme zone de résistance. Cela est caractéristique d'un début de dynamique baissière et tant que l'on n'arrive pas à passer à la hausse ici durablement cette moyenne mobile 20 exponentielle, on peut craindre ici une rupture un peu plus pérenne de la zone des 1484.30 pour un objectif qui se situerait dans ce cas vers un possible retour ici sur la zone des 1438 $ l'once. Et puis sur le WTI, suite à la baisse qui a continué jusqu'à la semaine dernière à marquer un contact ici avec la zone des 51 $ le baril, nous sommes toujours ici dans un mouvement de stabilisation. On a eu ici quelques contacts sur des niveaux proches des 51. Puis un petit rebond aujourd'hui mais qui n'est pas totalement validé dans une éventuelle continuité puisqu'on voit ici qu'après le contact ici sur la bol et l'inscription d'un nouveau point haut significatif, que la moyenne mobile 20 exponentielle ici ne permet pas au cours de se reprendre et de poursuivre ici sur cette éventuelle dynamique. Donc on est vraiment ici dans une neutralisation. On a marqué un contact ici avec le support des 51 $ le baril. On se stabilise depuis. Je rappelle qu'en cas de rupture ici des 51 $, le prochain objectif se situerait ici sur la zone des 42.50 $ le baril. Mais pour l'instant, on se neutralise au-dessus des 51 $.
Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien là aussi c'est toujours la neutralisation qui domine. Depuis qu'il y a eu ici plusieurs contacts avec le retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente phase de hausse, eh bien les cours se stabilisent sous l'ancienne zone de support des 8 935 $ et ce fameux retracement. Nous pouvons aussi constater que les cours viennent ici chercher à moyenne mobile 20 exponentielle comme une résistance suite à l'attaque ici sur la bande de Bollinger inférieur. Donc on est plutôt sur une perspective baissière avec ici ce support qui a été cassé et qui semblerait agir ici en tant que résistance. Ça fait beaucoup de petits éléments qui convergent vers une même conclusion, à savoir la poursuite du mouvement baissier. Toutefois, pour que celui-ci soit confirmé, il faudrait casser ici cette zone des 7835, auquel cas l'objectif serait dans un premier temps une possibilité de retour ici sur la zone des 6830 $ pour un Bitcoin, puis à terme sur la zone des 5790 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et Bitcoin.